Salut à tous. Donc c'est parti, on continue ce magnifique workshop. Bah, magnifique pas forcément grâce à moi, hein. Le jeu est magnifique lui aussi. ouais, c'est quoi ce délire? Ah oui. Faut faire un truc avant là, je crois. Franchement, mais la musique et l'eau et tout. C'est vrai, c'est apaisant le truc. Et ultra apaisant quoi. Alors comment qu'on fait? Non. Fuck. Pardon. Ouais, une noisette, on est riche. Ah oui. Rock. Genre son coup d'aile, ça il te fait coup d'aile. Il t'envoie des trucs, hein, je sais pas ce qu'il fout. Il te fout même pas de coup d'aile, mais c'est pas grave. Donc voilà, là, en faisant inondation sur les... pas les statues, bon, je sais pas comment on peut faire ça. Les têtes... Ouais, les têtes. Sur les têtes, ça permet de... Bordel, non. J'ai eu chaud, là, je croyais que j'étais revenu au début du jeu. Pas du... Au début du truc. Au début de Rochaud. Donc ouais, voilà, en faisant une inondation, ça permet d'avoir de l'eau. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai vraiment adoré ce truc d'avoir fait les quatre montagnes là, avec les éléments, c'est vraiment sympa quoi. Voilà. Alors, maintenant, putain, non pas putain, non. Alors ouais, les trucs genre sommet et tout, j'ai remarqué que plus le niveau était haut et moins on avait de chance de se faire toucher. Donc, je pense que c'est par rapport au niveau le truc, enfin le niveau de l'ennemi et le nôtre quoi. Alors là, bah vous connaissez, c'est classique. Faut s'y passer. Voilà. Et dès qu'on voit qu'il commence à baisser en haut, faut partir. Voilà. Merde! Comme par hasard, il y avait un coffre. Oups. Oula, il a failli se tremper de main là. Pas trop grave en même temps, il meurt. Là. Il s'en fout un peu. Voilà, et un coco-coffre. Je parie que c'est une mimique. Non, c'est un élixir de merde. On s'en fout, c'est pareil. Hein. Voilà. En fait, c'est pratique l'eau pour retomber sans se faire chier à tout remonter. À tout descendre. Je tente d'un coup. Oh, j'ai réussi. Alors, merde, mais quel con. Merde, putain, je t'accroche au truc. Bon, je commence à faire le boulot dès le début, là, ça... Ça va pas le faire, hein. Putain, un élixir, une noisette, ça, vous avez pas pire, quoi. Ils me prennent pour un écureuil, quoi. Voilà. Donc, on monte. Là, on va mettre le tronc. Oula, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a plus de MP comme ça? Qu'est-ce qu'il a foutu? Un rayon rond. Un rayon rond, on le fera plus tard, quand il y aura plus d'ennemis. Franchement, les trucs sur 7 ennemis, alors là, je vois vraiment... Mais alors vraiment pas l'intérêt. Des synergies sur 7 ennemis, il n'y a jamais 7 ennemis. Jamais. Je l'ai dit, les trucs pour XP, là, les Phoenix. C'est sympa. En fait, le truc, pourquoi d'après vous, c'est facile d'XP avec eux? Bon, déjà, ils donnent énormément d'XP, mais en plus, ils appellent d'autres phoenix. Parce que
qui fait que si on attend qu'il y ait plein de phénix, on les bute, on en laisse toujours un, et puis on en laisse toujours un pour qu'il appelle les autres. Et puis on se fait pas mal de phénix à la fois, quoi. Alors, oui, là, la truc est à l'envers, donc du coup, elle nous fait monter. Quoi? Ah, d'accord. Je regardais ce que c'était, le truc. Alors, là. Ouais. Je trouve pas trop l'intérêt. Ça sert à quoi de faire ça? Ah, c'est juste histoire de pouvoir monter sans se casser la gueule, sinon. Merde. Bon, l'avantage dans Golem Sun, c'est que toutes les altérations d'état disparaissent en fin de combat. Enfin, quasiment. Non, toutes. Le poison, je sais pas si ça disparaît en fin de combat. Ouais, je me rappelle pas avoir vu un perso empoisonné une fois, mais... Ouais, je suppose, voilà. Ouais. Merde. Putain, mais vous avez pas fini de me donner des conneries? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ouais. Non, franchement, Rochaud des 4, je crois que c'est mon préféré. C'est une musique bien particulière. Bon, je sais, ça fait 15 fois que je parle de la musique, c'est chiant. Mais j'y perds rien si elle est énorme. Ok. Et voilà. Donc ça c'est fait. Qu'on monte. Voilà, je me suis un peu calmé parce que hier avant-hier j'avais enregistré en tout je sais plus combien de vidéos. Je sais même pas à la combien de j'en suis. Hein. 25, un truc comme ça. Sabre Bruno. Ah, ça a l'air sympa. Ça c'est pour une fille à mon avis. Ouais. Ouf. Ah, quand même. Donc 247 peut autoriser. Ah non, ça marche aussi. Ouais. De toute façon, les mecs ils peuvent porter toutes les armes. Hein. Je crois. Donc ça c'est fait pour elle à mon avis. Le perfide, c'est pas qu'elle est perfide du coup, hein, mais... c'est que vu que Sylla peut pas la porter, c'est pour Lina. Enfin, après, c'est pour qui on veut, mais les autres ils ont déjà des armes puissantes. Ouais, clac. Alors là, je sais pas quoi ça sert de tomber en fait. À tout hasard, je vais peut-être essayer. J'hésite là à essayer de tomber. Hein. Bon, allez, on essaye pour le fun. Bon, à l'unanimité, je saute. Personne n'a répondu, mais c'est pas grave. Je suis tout seul, donc c'est moi qui décide. Ok. Alors, ça servait vachement. Vous voyez, ça, c'est le genre de petit truc, détail pour nous emmerder. C'est là qu'on voit que les développeurs, ils se sont dit, tiens, là, on va foutre une rampe pour emmerder le mec. Il y a que les cons qui sauteront. Comme ça, Mr. Freeze, quand il fera son Oksu, voilà, il va perdre du temps. Putain, c'est des yétistes, ils n'aiment pas les yétistes. Donc là, on saute. Putain, ça c'était vachement intéressant. Ouais, un combat contre un roc. On chie les espèces de machins, de condors, là. Qui portent bien leur nom, d'ailleurs. Voilà. Oh, franchement, j'adore ce nom. Ça sert juste à descendre pour le fun, je parie. Ah non, ok, c'était là. Je vois, je vois. Choc. Oups. Et là, il va faire apparaître des... Voilà. Des trucs. Saute, il peut pas, ok.
Donc là, hein, c'est comme d'habitude, on escalade d'abord le truc et après on se retrouve à l'intérieur. Donc ça va être long. Mais bon, là, c'est bon, je commande plus que d'habitude. Enfin, je trouve que mes vidéos les plus pourries de Golden Sun 2, pour l'instant, c'est celle au niveau de Rocher. Donc si vous le trouvez bien, vous me dites. Ah non. Non, je déconne. Et là, on se retrouve ici, à l'intérieur de Rocho. Et voilà, on est à fond. Ensuite, on va sauter. Ouais, non. Si. Ah oui, là, je vois ce qu'il faut faire. Je me rappelle de ça. Ça, on peut pas. Donc, je pense qu'il faut aller vers la droite, logiquement. C'est le seul endroit. Hein. Là, on peut pas. Si. Non. On va devoir faire le tour. Là, vous avez compris. Il faut faire en sorte que le chemin. Enfin de faire une inondation sur la goutte d'eau pour bouger le chemin. Toc. Quel boulet. Je suis trop con, je vois pas ça quand même. Voilà. Hop. Faites pas l'erreur de vous déplacer avec hein. Avec moi pour faire ça tout ça. Voilà. Merde. Putain, c'est pas possible, il y a plus de combats quand je fais mes vidéos ou quoi. Je me rappelle pas qu'il y avait autant de combats. Putain, mais arrêtez de me donner de la merde là. Putain, à part le faire vaporeux pour l'instant, j'ai eu n'importe quoi. Là. Voilà, enfin j'aime bien parce que là c'est assez linéaire. On peut pas trop se gourer. Voilà, plus d'eau. Frima donc. Ouais, là j'aime bien parce que c'est linéaire. J'aime pas quand il y a 30 chemins, qu'on se gourre, la moitié c'est des cul-de-sac, les autres c'est pour nous faire chier. Là j'aime bien quoi. Voilà. Je préfère qu'il y ait plein d'énigmes, mais que ça soit linéaire que le contraire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi dans le 1, il n'y avait pas de combat pour les énigmes. Alors, par exemple, sur le phare, alors que là, oui. Là, je sais plus si sur les phares, il y en a. Vu qu'on va faire deux phares. Hein. En piste des 4 rochers, on va faire deux phares là. Le phare au pruneau et le phare. Non, bon, d'accord, c'était nul. Non, bah, les deux derniers, phare de Mars, phare de Jupiter. Ouais, Jupiter. Mars, c'est le dernier. Et on l'a. Merde, je me suis bourré. Ah, mais j'ai oublié que j'avais ça, je suis con. Hein. Comme ça, ouais. C'est toujours ça de fait. Voilà. Et là, on peut se déplacer librement, là. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Parce qu'il y avait plusieurs sorties. Bon. Je vais peut-être rouler des coffres, on s'en fout, c'est pour nous donner une olive ou un piment vert avec un bien genre là. Ils se libèrent de leur truc. Ok. Bah, qu'est-ce que je fais? Il sert à rien ce truc, putain. Voilà, et n'hésitez pas, je vous le dis jamais, mais mettez des commentaires. Si vous trouvez qu'il y a des trucs pas bien, mais dites-le. Même si vous mettez une sale note, quoi, mettez un commentaire. Moi, ça me dérange pas les sales notes, c'est juste, voilà, si ça peut permettre de m'améliorer. Alors. Il faut faire gaffe parce que si on se fait prendre dans le truc. Voilà, tac, tac, tac. Alors attendez, non, faut pas le faire tout de suite là. Est-ce qu'il vient fait plus effet? Eh ben on le remet à l'autre. Ouais. Alors là faut trouver le chemin. Bon c'est pas dur hein. Tac, faut regarder le haut du truc, pas le bas du poteau. Hein. Voilà c'est tout con.
Ah non. Ah les salauds. Voilà. Derrière en bas. Donc faut d'abord remplir le truc avec inondation. Voilà. Et ensuite, la goutte d'eau. Ça ressemble plus à une meringue d'ailleurs. Voilà. Parce que si on met pas l'eau avant, ça marche pas. Forcément, on est à eau chaude donc. Poc. Dingue. Voilà, ça c'est bon. Clac. Le mec qui a rien à dire. Non, et puis on s'en fout de l'esquive. C'est vrai que je gagne énormément de temps en faisant l'esquive. Il n'existait pas dans le 1 d'ailleurs, ce truc. Ça va finir que je vais tellement pas faire de combat que je vais me faire laminer par les boss parce que j'aurai pas d'XP. De toute façon, dès que je vais arriver au truc où il y a les phoenix là, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a des phoenix, puis il y a des trucs plus forts que les phoenix. Mais je sais plus où ils sont en fait. Ah oui, alors la quête des animaux, je vous ai jamais dit ce que ça faisait. Mais en fait, à la fin de la quête des animaux, il y a une tortue. Bon, c'est pas du spoil, hein, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Il y a une tortue, voilà. Parce qu'en fait, il faut échanger des objets entre animaux. Ça commence par un pingouin. Enfin, un manchot plutôt. C'est pas pareil. Pas moi, c'est un espèce de canard en fait. D'accord. Ouais, un manchot qu'on lui rapporte sa femme. Sa femme. Enfin, la manchotte. Je sais pas comment ça s'appelle, mais. Enfin, vous avez compris, voilà. Faut lui rapporter sa femme. Quand je l'ai rapportée, en fait, elle est bloquée. Enfin, c'est sur la gaffe, enfin, voilà, on s'en fout. Et il nous donne une pierre. Qu'on échange à un autre animal, qu'on échange à un autre animal, qu'on échange à... etc. À la fin, ça arrive avec une tortue. Ça finit avec une tortue. Putain, ça va être super chaud, ça. Oh, putain. Ah bah oui, on a oublié de se casser la gueule, là. Plus de temps à faire esquive que faire les combats, quoi. Ouais, et à la fin, on monte sur une tortue qui nous emmène sur l'île du temps. Je crois que c'est l'île du temps, je suis pas sûr. Ah, une arme de pierre. Ça, c'est un bon truc. Je sais pas si on peut continuer en bas, je crois pas. Voilà. Eh, on est pas déjà passé là, non? Ah non. Saute mouton. Je sais pas, je vais aller par là. Ça doit être par là qu'il faut aller. Eh, un objet ici? Je l'ai pas encore alors. Non, non, je vais rien récupérer ici encore. Oups. Ouh, un dracomère là. Putain, on aurait trop un Pokémon lui. Non, mais cette fois c'est vrai. Ça ressemble à un. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, j'ai plus du tout le nom en tête. Mais Non, mais j'ai déjà vu quelque part ce truc. La Dracomère, là, ça ressemble vraiment à un Pokémon. Donc l'eau, là, on pourra l'enlever que quand on aura fini cet endroit. En fait, bête, je vais vous laisser là. Et je pense que je vais le finir à la prochaine. Allez, salut.